Le menu a changé ou c'est moi? Salut à tous, c'est Maximus59. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une nouvelle vidéo sur Undertale. Oui, Undertale. Ce jeu que je dois continuer depuis 300 ans. Du coup, bienvenue, bah, du coup, sur Undertale. Voilà. Ah, d'accord. Une calotte glacée arrive en se pavanant. Que faire? Examiner, complimenter, voler, comment ça? Examiner! Calotte glacée accepte, défenseuse, ce jeune préféré s'appelait chapeau glacé. J'adore mon chapeau! What? What? Ouah. Ça sent les vêtements neufs. Pas fondu. Aïe. Je suis vraiment nul à ce jeu. En gros, faut mitrailler Z, d'accord. J'adore mon chapeau, capiche? Ah, les traductions, belle traduction. Aïe. Aïe. Oh, je suis nul. Je suis nul! Ah là 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 là! En fait, je suis une reprise de Jojo ou c'est moi? Ok, sauvegardons. C'est temps pas la forme. Juste comme il faut, vous emplissez toujours de détermination. Alors, j'ai cru comprendre que détermination était un mot important dans ce jeu. Ici, c'est un coffre. Si c'est la boîte. Attendez, il y avait un panneau avant. Ceci est une boîte. Vous pouvez y mettre ou retirer un objet. La même boîte réapparaîtra plus tard. Donc, ne vous embêtez pas à revenir ici. Cordialement, un fan de boîte. Utilisez la boîte, oui. Alors, ça fait pas du tout depuis 3 semaines que je dois tourner, mais c'est juste parce qu'en fait, j'ai vraiment pas le temps de tourner. Croyez-moi, ou ne me croyez pas, faites ce que vous voulez, mais vraiment, c'est pas de ma faute. J'ai eu des problèmes avec un logiciel, on va faire demi-tour. Ça a l'air d'être du scénario à droite. C'est une canne à pêche plantée dans le sol. Remontez la ligne, oui. Une photo de monstre bizarre est attachée au bout. Appelle-moi. Voilà mon numéro. Pardon. Vous décidez de ne pas appeler. Téléphone de Toriel. Ah, Toriel. Notre maman, entre guillemets. Alors attendez. Faut que je... Voilà. Vérifie. Voilà, c'était ça. C'était telle touche. Ok. Donc, 9 c'est Sans et 4 c'est Papyrus. Ok. Pour que je me rappelle des voix. Ouais. 9 c'est Sans et 4 c'est Papyrus. Ok. Donc, comme je disais à propos d'Undyne. Je pense que c'est Undyne, hein, parce que si c'est une blague avec Undying, voilà, donc intuable, Undyne, personnage dur à tuer, j'imagine. What? Sans! Oh mon dieu! Doris! Un humain! Non! Non, je suis une lampe. Une lampe qui bouge pas, ou une statue. En fait, je crois que c'est un caillou. Oh! Hey! Mais qu'est-ce qui se trouve juste devant le caillou? Ah mon dieu! Est-ce que c'est un humain? Oui. Oh mon dieu! Sans, j'ai enfin réussi! Sans va. Je serai tellement. Populaire! Humain.
tu n'iras pas au-delà de cette jungle, car le grand papyrus va mettre fin à ton périple. Ensuite, je te capturerai. On t'amènera à la capitale. Et ensuite, je ne suis pas sûr de ce qui va se passer ensuite. Dans tous les cas, approche, mais seulement si tu le veux. Non, ça s'est plutôt bien passé. T'en fais pas, les mioches. Je vais garder une orbite ouverte pour toi. C'est pas plutôt je vais garder un œil sur toi? Ils ont fait une blague encore avec le avec les mots squelettes ou c'est moi? Les mots, tout ce qui en rapport avec squelette, bordel. Il y a quelque chose d'écrit sur cette boîte en carton. Vous observez le poste de garde fort bien construit. Mais qui pourrait bien l'avoir érigé? Vous demandez... Je parle que c'était un garde royal très célèbre. Note. Un garde royal pas encore très célèbre. Ah. Encore une... Une calotte glacée. Pas complimenter. Vous informez calotte glacée que son chapeau est top. Ben ouais, c'était pas évident! Putain... Allez, je commence! Je commence à gérer! Oh là 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 là! Où est ton chapeau? J'en ai pas! Bord... Oh, 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 oh. Alors là, on a pris. On peut faire quoi aussi? On peut ignorer, comment ça? Ton chapeau est vraiment top, hein! Tu le veux? Dommage! Aïe! On peut réussir à être sympa, au moins avec un seul d'entre eux. Examinez, mince, j'ai mis ce clic. Quel beau chapeau, à moi! Ok. Alors, ouais, ton chapeau, c'est vraiment de la bonne. Hein. Tu le veux? Dommage! Aïe! C'est pas loin du perfect, hein. Attends, on va essayer d'être sympa. Obtenez 0 points d'XP et 16 pièces d'or. Ça aurait pas dû être l'inverse. Bon, c'est pas grave. Il y a quelque chose d'écrit. Non! Allons-y. Intéressant d'ailleurs le fait que quand voilà, on touche de bord. On nous fait glisser. Intéressant. Pas un geste. Quelque chose a bougé ou c'était mon imagination? Je peux pas voir les choses immobiles. Est-ce qu'on donne un nom à ce truc? Je sais pas. Quelque chose a bougé, vraiment bougé. Quelque chose a vraiment bougé, par exemple un humain. Je m'assurerai qu'il ne bougera plus jamais. Commandog, bloque le passage. Ne bouge pas d'un pouce. Oh, bah, bah, bah. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Attends, est-ce qu'il... Pas bouger, ça... Pas bouger... Ah non, mais il m'a dit que si on bougeait pas, ça allait. Ça a bougé, ça va bouger. Cette fois, ça va bouger. Et cette fois, ça va bouger ou pas? Et cette fois, ça va bouger.
Vous caressez comme un dog. Quoi? On m'a caressé! Carrosse, cabosse, caresse, cabosse! Salut, y a quelqu'un? Non? Je vais peut-être aller me heal. On a fait un pacte avec Sans, on doit pas taper Papyrus. Ouais, il faut vraiment que j'aille me heal. Un mini chien apparaît. Bon, un petit peu d'XP de temps en temps alors. Voilà, 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 voilà. Waf, waf, waf. Hop. Die. Vite. Oui. Détermination. Ta 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 ta. Un coulivert s'amène en déambulant. On l'explose ton coulivert. Faire ses devoirs hors de question. Hop 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 hop. Si, il faut faire ses devoirs. Voilà, sinon tu es puni. Votre love augmente. J'ai level up, d'accord. Est-ce que level up dit... Non, ne dit pas que les points de vie remontent. Hop là, on s'en va et on fit la suite. Bonjour Sans. J'ai quelque chose d'important à dire, essaye de t'en souvenir. Mon foie a connu une attaque très spéciale. Si tu vois une attaque bleue, reste immobile. Et tout ira bien. Si tu veux, j'ai un moyen facile pour m'en souvenir. Imagine un panneau stop devant un panneau stop, tu t'arrêtes, non? Imagine un panneau stop, tu t'arrêtes. Devant un panneau stop, tu t'arrêtes. Les stops sont rouges. Imagine juste un stop bleu à la place. C'est simple, non? Au combat, pense à des panneaux stop bleus. Pas bête. Oui. Nord de la glace, sud de la glace, ouest de la glace, est, ville de Covid, et de la glace. Bonjour, je suis un bonhomme de neige. J'aimerais voir le monde, mais il m'est impossible de bouger. Aurais-tu l'amabilité, toi qui sembles aimer le voyage, de prendre un morceau de moi et de l'amener loin d'ici? Merci, bonne chance. Je récupère un morceau de bonhomme de neige. Comment vais-je? Par jeu, j'entends le morceau de moi que je t'ai donné. Bah ça va bien. Il va découvrir le monde. Nous sommes accompagnés du bonhomme de neige. Billy! Tu es trop paresseux! Tu as passé la nuit à faire la sieste. Je crois que ça s'appelle dormir. Des excuses, toujours des excuses. Oh, voilà l'humain. Voilà l'humain plutôt, c'est vrai que je dis. Afin de pouvoir s'arrêter, mon frère et moi, avons mis au point quelques casse-crânes ou casse-têtes. Oh, c'est pareil. Je pense que tu trouveras celui-ci. Plutôt foudroyant.
car sur les devant toi, l'enfant, l'invisible, labyrinthe électrique. Au moindre contact avec le mur de ce labyrinthe, cette orbe t'administrera une vigoureuse décharge. Ça a l'air fun? Car figure-toi que la quantité de fun que tu vas probablement avoir sera en fait plutôt limitée, je pense. Ok, tu peux y aller maintenant. Sans! Sans! Qu'est-ce que tu as encore fait? Je crois qu'il faut que l'humain tienne l'ordre. Oh, très bien alors. Tiens-moi ça, s'il te plaît. Ok, essaie maintenant. Incroyable, quelle savonnette sournoise. Tu as résolu si facilement, trop facilement. Cependant, le prochain casse-tête ou casse-crâne, comme d'habitude, vous connaissez la connerie qu'on sort, bien sûr, ne sera pas aussi facile. Il a été conçu par mon frère Sans. Il t'en fera perdre la tête. C'est ce qui m'est arrivé, en tout cas. Vient-il de faire Moonwalk? Eh, merci, mon frère a l'air de bien s'amuser. Oh, et sinon, j'ai eu son costume bizarre. On l'a fait pour une soirée d'Élysée il y a quelques temps. Il l'a pas quitté depuis. Il appelle son armure de combat. La vache. Trouve pas que mon frère déchire. Ce truc paraît trop bizarre. Je ne comprends vraiment pas pourquoi ça ne se vend pas. C'est pourtant le temps idéal pour une sucrerie glacée. Oh, de la clientèle. Bonjour, une glace chantilly. Gentille. Ça te tente? C'est la douceur qui réchauffe le cœur. Seulement pour 15 PO. Oh punaise, l'argent que j'ai. Ah non, j'ai lu 14 000, mais non. 142, bon bah... Je veux bien en acheter un, seulement pour 15 PO, j'en achète. Et voilà, passe une super journée, vous obtenez la glace chantilly. Elle fait quoi la glace chantilly? Glace gentille, soit une 15 PV, y a pas de blague sur l'emballage, juste un mot gentil. D'accord. Bon, bah du coup... Ah... Mais c'est génial. Moi aussi j'ai envie de me lancer dans le business des friandises. Ménagerie à 5 PO. Le temps. J'ai dit 5 PO, je voulais dire 50 PO. Vraiment? Et pour 5000 PO? 50 000 PO! C'est ma dernière offre! Hein? Tu n'as pas l'argent? Hey, c'est pas grave. Et pas la neige. Tiens, on peut en faire quoi? On peut en faire quoi de ça? L'amener en bas? Ah, mais non, là en bas. Ah, ça va être... Oh, ça va être relou. Oh! Ah, il y a un timer. Ok, on va y arriver. Mal barré. Mal parti. Oui! On gagne quoi? Vert.
Vos soins intentionnés envers Ball vous ont mené à l'une des 16 victoires. Vous obtenez un PO en récompense. Pardon ? Rien d'autre à offrir. C'est tout ? Donne une boule de neige. En réalité, c'est un décagone de neige. D'accord. C'est un arbre. On va pas aller par là alors. Il est partout en même temps, Sans. Alors, échelle de danger olfactif. Pas ce que c'est dire. Odeur de neige, bonhomme de neige, niveau blanc. On peut passer au niveau jaune. Odeur de suspect, chiot, niveau bleu. Odeur de roulade, odeur étrange, humain. Niveau vert, détruire à tout prix. Ok. À lui. À elle. À lui. À elle. J'abandonne. On va aller voir les vrais, là. Ceux qui sont en bas. Humain, j'espère que tu t'es préparé pour... Sans. Où est le casse-tête? Juste là, par terre. Vraiment, il n'y a aucune chance d'échapper à celui-là. Ah d'accord. Faut le faire. Ok. Je le ferai pas en montage parce que j'ai pas l'impression que c'est faisable. Comme ça. Je sais pas. Que c'est faisable. Attendez. Automne. On va chercher Automne. Ici il y a Automne, j'ai trouvé Automne. J'ai trouvé Automne. Automne, Bon, si j'ai le temps, je le ferai. Si j'ai le temps, je ferai par montage. Parce que j'ai pas trop le temps en ce moment. Ça n'a absolument servi à rien. Oups. Oups. Je savais que j'aurais plutôt dû utiliser les mots croisés de ce matin. Hein? Les mots croisés? T'arrives pas à croire que tu dises ça. Pour moi, les mots mêlés sont de loin les plus durs. Hein mec, t'es sérieux, ce mélange de mots super facile. C'est pour les bébés squelettes, ça. J'y crois pas. Humain, règle cette dispute. Le plus dur. Le plus dur, selon moi. Personnellement, je sais pas vraiment qu'est-ce qui est plus dur, ça dépend en fait. Mais en tout cas, mon préféré, c'est les mots croisés. Donc pour moi, j'aurais peut-être du mal à faire les mots mêlés. Ah ah, oui.
Les humains doivent être sacrément intelligents. Tu trouves les mots mêlés si difficiles. Merci d'avoir dit mot mêlé pour calmer mon frangin. C'est vrai que j'y ai pensé, mais c'est vrai que ça aurait pu calmer Papyrus aussi. Et là, il s'est acharné à essayer de résoudre l'horoscope. Savoir que la souris pourrait un jour retrouver un moyen de réchauffer les spaghettis, cela vous emplit de détermination. Un micro-ondes débranché, tous les réglages indiquent spaghettis. C'est un plat de spaghettis gelé. Il y a une manche gelée qui est collée à la table. C'est un mot de Papyrus. Humain, régale-toi avec ces spaghettis. Je ne te doute pas que ce sont des spaghettis sont en fait un piège, un crêpe pour t'appâter. Vois-tu, toute ton attention. Sois tellement concentré sur ta dégustation que tu ne te rendras même pas compte que tu n'avances pas. Une force ici de plus grand que de plus pour le grand Papyrus. Bon, cette farce ne marche pas parce que c'est pas le truc qui va faire que je vais sauter dessus. Hein. Littéralement, moi, tu me fais une raclette, c'est mon plat préféré. Donc voilà. À rigueur, la raclette, oui. Mais là, non. Hein, du coup, là, je dis non et je dis non. Alors, réflexion en cours. Nous sommes à 26 minutes de vidéo. Continuons. Alors, en plus, je n'ai pas tourné de vidéo depuis longtemps, donc. Je vais essayer de vous tourner deux vidéos plutôt longues. Allons-y. Même si je tiens à vous dire que je suis pas le très enfant. Bah j'ai juste un mauvais rhume. Mais attention, mariage de chien. Ça mariage. Quel glacé apparaît. Ah, et Jerry est venu aussi. Oh. Chut, j'essaie de réfléchir, les mecs. Aïe. Jerry prévient à tout le monde qu'il a envie d'aller aux chiottes. Comment ça? Seulement 7, bordel. Et bam, le souvenir. Alors mon chapeau qui affiche. Oh là là. Waouh, vous êtes vraiment pourrave. Aïe. Pourquoi on fait ça? C'est stupide! Oh, tu vas le regretter! Il a pas mis sa main devant sa bouche, et bam! Je soupire! Ah oui, mais d'ailleurs, ce qui est marqué, ça montre que s'il est en jaune, c'est-à-dire qu'il peut être épargné, mais qu'il est... D'accord. S'il est en jaune, c'est qu'il est quelque part important. Ok, bah on va tuer l'autre. Voilà. Alors comme ça, on m'abandonne. Tu parles d'amis.
J'ai mis Skrik. Oui, mais c'est loin. Vous allez me tuer, hein, à force. C'est quoi cette odeur? D'où elle vient? Je la sens vraiment pas. Voilà l'odeur étrange. Ça nous donne envie d'éliminer des trucs. Éliminer toi? Le chien vous assaille. Canis et cannibale. Ressentir, rouler, caresser. Prends les puces, prends la puce. En fait, non. Vive champignon de force. Oui, champion de Frotnaise.
mon dog, il parle de moi. Oula. Bon bah... Au moins j'ai toujours le morceau de bonhomme de neige. Cette fois-ci je ne me ferai pas avoir. Alors, cette fois-ci, vous allez pas me voir. Comment on fait pour esquiver ça? Ok, il va falloir caresser elle. Ok, on peut épargner. Un chien caresseur de chien ? Un nouveau monde s'offre à nous. Merci, chou étrange. Wouf. Comment as-tu évité mon piège? Et le plus important, il en reste pour moi. Qu'allez-vous dire à Papyrus pour ses spaghettis? Pas touché. Quoi qu'on va lui faire plaisir. Bon. Vraiment? Au revoir. Personne n'a jamais apprécié ma cuisine auparavant. Très bien.
Ne crains, tu m'as, moi, chef, cuistot, Fabien Ruiz, je te cuisine autant de pâtes que tu voudras. J'ai actuellement plus de vie, je crois. Oui, oui, je te le dis. Mon frère collectionne des chaussettes depuis peu. Misère de misère. Parfois, je me demande ce qu'il ferait. Ça me serait un mec cool comme moi pour rien. Pour prendre soin de lui. Humain, comment dire? Comme tu prenais ton temps pour arriver, j'en ai profité pour améliorer mon casse-tête. En modélant la neige d'après mon visage, malheureusement, elle a fini par fondre. Du coup, la solution a changé. Et comme on, d'habitude, pas de sens à l'horizon, ce que je veux dire par là, c'est pas d'inquiétude, humain. Moi, le grand papyrus, je vais régler ce problème pour que l'on puisse tous les deux continuer. Quant à toi, n'hésite pas à tenter ce casse-tête. J'essaie d'éviter de te donner la réponse. Pour 100 mètres, on est en 0, puis appuyez sur le bouton. Mince, je l'avais, j'ai oublié, attendez, je l'avais. Voilà. Bon, tu as réussi. Tout ça sans mon aide. Incroyable. Tu m'impressionnes. Tu dois aimer casse-tête autant que moi. Soit, je pense que tu vas adorer le prochain. Tu risques même d'en faire qu'une bouchée. Chapeau pour avoir résolu ça. Oh, c'est vite. T'as même pas eu besoin de mon aide. Ce qui m'arrange, vu que j'adore flémarder. Hey! Voilà l'humain. Tu vas adorer le prochain casse-tête. Il a été conçu par le brillant docteur Alvin. Tu vois ces cales? Une fois l'interrupteur activé, elles vont commencer à changer de couleur. Chaque couleur a une fonction différente. Les cases rouges sont infranchissables. Impossible de marcher dessus. Les cases jaunes sont électrifiées. Électrofiquantes. Les vertes font tonner. Tu marches dessus, le rafontainement. Les cases oranges sont parfumées à l'orange. Ils te feront sentir bon.
cases bleues sont remplies d'eau. Tu nages à travers si tu en as envie, mais tu sens l'orange, tu perds nettement orange. Aussi, si une case bleue se situe près d'une case jaune, l'eau va alors te focuser. Les cases violettes sont toujours savonnées. Tu glisseras jusqu'à la case suivante. Cependant, le savon glissant est parfumé au citron. Ce qui déplaît au piranha. Donc bleu et violet, pas de problème. Enfin, case rose, elles ne font absolument rien. Marche sur elles autant de fois que tu le veux. Alors, tu as tout compris? Et vous comprenez les explications? Oui. Grand Dieu, il me reste une chose à mentionner. Casse-tête est complètement aléatoire. Pardon? Une fois cet interrupteur passé, on verra apparaître un casse-tête qui n'aura jamais été vu auparavant. Même moi, je n'en connaîtrai pas la solution. Prépare-toi, je sens les conneries. Les cases rouges, c'était pas un monstre. Je te dis à mes spaghettis tout à l'heure, c'est plutôt pas mal pour mon frère. Depuis qu'il a commencé ses cours de cuisine, il s'est beaucoup amélioré. Je parie qu'à ce rythme, d'ici l'année prochaine, sera même comestible. Oh, c'est méchant. Du coup, il y a un ennemi? Oui, mais je peux pas y aller. Il y a une boîte de dalmarésin sec à l'intérieur. Attention, le chien, s'il vous plaît, caressez le chien. Il y a un tas de neige qui fond. Mais je peux toujours être brisé et remettre à nouveau quelque chose de plus utile. Simple fait, vous emplit de détermination. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouvera pour la suite de notre esprit. N'hésitez pas à mettre un j'aime ou à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas que l'amitié fait notre force, que le groupe Discord se trouve dans la description. Sur ce, au revoir tout le monde.